du matin, c'est là que l'excitation d'un homme est très dure. L'excitation d'un homme est très solide. C'est-à-dire que vous allez remarquer qu'à 4 ou 5 heures du matin, quand un homme se lève pour aller faire pipi là, Papy Tou est debout comme ça. Papy Tou est bien dressé. Papy Tou est très nerveux. Oui, à cette heure-là, un homme normal, là, c'est là son Papy Tou se réveille. Donc, c'est-à-dire qu'à cette heure-là, toi, tu le surprends. Donc, le gars est en train de dormir comme ça, ou bien en train de ronfler, ou bien en train de faire ce qu'il veut. Et puis toi-même, tu te lèves discrètement. Tu t'entres dans la salle de bain. Tu rinces un peu ta bouche. Parce qu'on ne sait jamais. Il y en a quand elle dorme là, il y a salive. Il y en a, il n'y a pas salive. Donc, je dis, si il y a salive, tu te lèves, tu t'en vas dans le WC. Tu enlèves tout ce qui est enlevé. Tu rinces un peu ta bouche. Et puis tu viens. Donc, le gars est en train de dormir. Mais quand il est en train de dormir comme ça, tu deviens comme une cellule. Ou un cellule. Non, une cellule. C'est quand si vous prenez ce que vous voulez, c'est quand je suis silu. Tu deviens comme silu. Tu glisses en bas du drap comme ça. Tu glisses en bas du drap en tant que le gars en train de dormir. Et puis tu prends Papy Tou. Tu commences à jouer à Papy Tou. Et puis c'est-à-dire que tu joues à Papy Tou et puis ses petits frères, les pectos. Les testos. Comprenez un peu les testos. Moi j'appelle ça les pectos. Les pectos bonbons. Bonbons pectos. C'est-à-dire quand tu descends comme ça, comme silu, en bas du drap, il y a les pectos qui sont là. Et puis il y a Papy Tou qui est là. Donc c'est-à-dire que quand tu prends les pectos, tu joues, tu fais de l'art avec les pectos. Après, tu prends Papy Tou. C'est-à-dire que quand tu prends Papy Tou, tu fais de l'art. Tu fais de l'art. Parce que vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis la femme même, c'est-à-dire que la femme même, c'est entre 4 et 5 heures du matin que sa voix est suave. La femme là, c'est en 4h et 5h du matin, sa voix est suave. C'est-à-dire que si tu as envie de voir une femme bien chanter, si tu as envie de voir la femme chanter, c'est-à-dire qu'en train de faire sortir, en train de chanter une chanson même qui te fait pleurer, une chanson qui te donne la chair de poule, faut la prendre à 4h et 5h du matin. La femme en 4h et 5h du matin, tu ne peux pas être sa gorge. Tu ne peux pas. Elle te chante, c'est-à-dire qu'elle te fait de l'opéra. Elle te fait de l'opéra. Et tu la vois, elle est dans les aigus quand tu dis, mais attends, la femme, à 4h du matin, oui, ça c'est l'heure à laquelle la femme, son gosier est aussi flexible, s'il vous plaît. Tu me prends ce micro là. Oui, parce que vous savez, je vais vous dire une chose, Parce que c'est-à-dire que quand tu prends le micro même, c'est-à-dire le micro même qui est là. Le micro même qui est là, avant même de chanter dans le micro là, il y a un...